Agritechnica ouvre demain, mais la rédaction machinisme de la France Agricole est déjà sur place pour vous faire vivre les nouveautés. Nous sommes ici devant le stand classe. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bâches. On n'a encore pas pu les soulever, mais ça promet. Nous voici sur le stand Yolande à l'Agritechnica. L'une des nouveautés présentées aujourd'hui, c'est le Méthane Power, un tracteur au méthane. Il a une cabine complètement dépouillée, je vous propose de la voir. Également présent sur le salon, et ça c'est également une grande nouveauté, la gamme Conskilled, partiellement aux couleurs jaune et bleu. C'est une surprise sur le stand Verneland, un nouveau pulvérisateur traîné, apparemment tout isobus. C'est une machine qui semble très compacte, plus d'infos prochainement. Nous voici sur le stand Manitou, c'est une nouveauté, elle avait été déjà aperçue sur un salon en Angleterre. Elle a aussi présenté officiellement à l'Agritechnica une chargeuse articulée à bras télescopiques. Son petit nom, MLAT. Alors on retrouve le design un peu comme les télescopiques avec le joystick multifonction ou encore le bras télescopique qui est maintenant noir. Kubota confirme ses ambitions et son appétit. Il présente à l'Agritechnica l'AgriRobot. Un tracteur autonome. Contrairement au concept qu'on a déjà pu voir, celui-ci est prêt à la vente et il est disponible dans 2 mois au Japon où c'est déjà légal. À l'Agritechnica, Berthoud présente le Bouin. Largeur de voie variable hydraulique, dégagement sous châssis hydraulique. Berthoud envoie du lourd avec cet automoteur taillé pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Amazon continue d'élargir sa gamme de charrues. Fruit du rachat de la société Vogel & Noots, voici la Hector, une charrue monoroue semi-portée. Elle est pour l'instant disponible en 6, 7 et 8 corps. Un automoteur de pulvérisation. Celle-ci, on ne s'y attendait pas forcément de la part du constructeur alsacien Kuhn. C'est pourtant ce qu'il y a ici de présenté sur le salon Agritechnica. 4000 litres, 260 chevaux, c'est la caractéristique du Stronger. Cet automoteur est en fait issu du rachat du constructeur brésilien Montana. Il est donc fabriqué au Brésil et destiné notamment en Europe pour le marché de l'Est. Krohn présente la Leaf Cab, une cabine qui se surélève. Elle a été médaille d'argent à l'Agritechnica. Elle permet une meilleure vision sur la culture. La gamme Pottinger s'élargit à l'Agritechnica. Voici présenté 2 modèles de 8 et 10 mètres. Elle s'arrêtait jusqu'ici à 6 mètres. Nous voici maintenant sur le stand ACO. Comme vous avez pu le suivre ces derniers mois, il y a beaucoup de nouveautés qui sont présentées aujourd'hui à l'Agritechnica. Je suis devant les nouveaux 900 Vario MT. Ils remplacent la gamme Challenger, qui n'est plus commercialisée en Europe. Ce sont donc des chenillards qui ont la particularité d'avoir la transmission à variation continue FENT. On a également d'autres nouveautés qui sont présentées. Les moissonneuses batteuses idéales aux couleurs FENT et Massey Ferguson. Les presses haute densité. Les roundballers, les lits et encore d'autres choses. Voici donc un nouvel arrivant sur le marché des automoteurs d'épandage avec ce modèle présenté par Plogger. Le Néerlandais change des automoteurs de récolte en présentant le AT4103.